avec eux. Et là-dedans, des Dominicains ont été présents le jour de l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Donc, qui est-ce que ça? Ils ont entré sous invitation Pierre Espérance. Ils ont entré sous invitation Lafarge Jean Dukens, bras droit de Pierre Espérance. Ils ont entré sous invitation Florival Mendy. Et ils ont dormi la caille Pierre Espérance avec un acolyte Pierre Espérance qui était dans la zone pèlerin pour être capable d'espionner. Et souvent, ça m'a dit. Depuis 9 septembre 2020, nous montons sur l'ordinateur, nous voyons une requête par le commissaire gouvernement, M. Ducarmel Gabriel, pour me dire mais il y a une association gang qui montait, qui a un plan pour assassiner les gens dans le pays. Et parmi lesquels, il y a un monde qui commence à planifier la mort de Jovenel Moïse. Mais l'organisation est gras. Et un chef gras, c'est Daniel Marcel, qui continue le commandant Marcel. Si vous regardez la vidéo que M. Tupin a fait, qu'elle te dit, tous les policiers habillés nous. Il y a un uniforme. Tu n'es pas là de la police pour être capable de planifier l'action. Donc, des CPJ, dans la démarche pour faire lumière, pour jouer information, ils font une délégation dimanche, ils sont entrés avec Dominique. Puis il y a le temps de Philippe et Miguel Antonio. Quand il y a là, le arrivé, problème. Il y a une organisation de qui sortit au Canada, qui a fait obstacle pour ne pas attendre Philippe et Miguel Antonio, qui est chef de l'autre Dominicain. Heureusement, l'organisation de la monde qui était Texas a été présent, qui participait à l'audition, monsieur Sayo, il a dit ça va qu'à fait. Et puis, délégation de CBJA, tant de Philippe et Miguel Antonio, qui a causé Kabouni dans le Kabouni là, a couru dans la République. Donc, pour nous dire, pour nous finir, nous dire, tout le monde, qui c'est même gang 4x4, qui impliqué dans la mort de Jovenel Moïse, qui a renforcé gang Timaka, qui a décidé pour détruire Muscadin, qui a fait un travail sérieux dans le pays, il faut que la justice frappe pour eux. Parce que nous jouons à clair que la mort de Jovenel Moïse, journaliste du Sénat, et Diego, planifié, exécuté, conception, planification, réalisation, exécution, il est fait par équipe Pierre Espérance. Si je menti Pierre Espérance, traînez-moi la justice. Nous toujours tout ça dans chaque conférence. Et c'est même équipe ça, tout est qu'on réunit avec Madame Koch, qui était instigateur mandat pour arrêter Jovenel Moïse. Côté que yo, Rodolphe Jardil te baye 130 000 dollars. Équipe d'expérience, il était pour mobiliser 3 millions de dollars américains. Et l'homme Jovenel Moïse coûtait 80 millions de dollars américains qui distribue, qui baille. Secteur bourgeois. Nek qui quitte l'autre bok tabac comme et qui privé à sa nouvelle là. Et n'a dit nous que, Kovlil, Jovenel Moïse a bien une justice quand même. Parce qu'il y a un monde qui est arrêté dans la mort de Saline. Tout le monde a pris un poste par le pouvoir. Dans le nord, ça prend le nord pour lui, ça prend le sud pour lui, ça prend l'ouest pour lui. Mais ça, lui a fait tout. Rodolphe Jean, ce n'est pas ni premier ni dernier. Il n'est pas premier, il n'est pas dernier. Le monde est condamné. Et tout sortant de Kina Maron, tout sortant de Baka Juin, on garantit en 2023, fini. Ça me croit la donne. Il y a peut-être fini ou bien la police a parlé. Quel que l'on soit connu. De Madame Koch à tout Badjo, il y a un peu arrêté pour finir, pour témoigner. Pour qui ça? Le moment pour que y ait juge Noël Sius, réquisitoire d'informer la bonne information, préliminaire. Jovenel pas mourir. Pèlerin, Jovenel mourir dans le tribunal premier instant de Port-au-Prince. C'est mandat à calcul. Conception de la mort de Jovenel Moïse. Planification de la mort de Jovenel Moïse.
Il fait dans le cabinet d'instruction de Port-au-Prince et dans le paquet de Port-au-Prince. Et sous ça, nous dit juge là, dossier intéressant. Il y a un pile de monde qui entend. Nous ne souhaitons pas que vous disiez persécution politique. Mais ça vous fait une distraction politique. C'est ambiance politique, c'est animation politique. Nous ne souhaitons pas que vous disiez persécution. Ni tout que nous ne sommes pas d'accord tout. Si nous ne connaissons pas de rapport avec l'homme Jovenel Moïse, pour nous faire prétexte pour nous cacher, faire couvrir ça. Et puis nous citons nous de façon innocente. Non, nous balance. Et je pense que le juge là doit agir au nom de la loi. Et s'il agit au nom de la loi, il y a au moins 60 personnes qui sont condamnées à vie. Qui ont un cadavre Jovenel dans le même. Qui ont 100 Jovenel dans le même. Et qui ont fait gros déclarations dans la télévision, qui toujours passé sur les réseaux. Il faut que la justice questionne et il faut qu'ils rendent compte de sang, de cadavre ça, qui n'a même que qui va gagner 2 ans, premier condamné, c'est Rodolja. Et nous dit que ça va prêter comme ça. Tout ça que nous avons venu et nous dit à clair que Pierre Espérance, l'équipe, est partie prenante dans la planification de la mort Jovenel Moïse. Merci.